Salut les Scratchers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous montre la suite euh, du jeu vidéo Space Shooter réalisé sur Scratch que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, eh ben, je vous invite à aller la voir parce que vous allez avoir le début des codes. Et dès que vous avez réalisé euh, le début, bah, vous pouvez nous rejoindre sur cette vidéo et je vais vous montrer aujourd'hui comment mettre de la vie euh, sur ce jeu. Juste avant de continuer, eh ben, si tu arrives sur ma nouvelle chaîne, euh, bah, n'hésite pas à t'abonner, c'est en bas à droite. Pour les autres, eh ben, en commentaire, comme d'habitude, vous me mettez ce que vous voulez euh, qu'on améliore sur ce jeu, ou aussi euh, le meilleur score que euh, vous avez fait. Voilà, là je viens de me faire tuer, vous avez vu, la vie euh, diminue. Et euh, on n'oublie pas, euh, pendant qu'on est avec le vaisseau spatial et les missiles, euh, vous n'hésitez pas à exploser le petit pouce bleu de YouTube. Allez, on commence. Alors pour commencer, on va retourner dans les codes de l'extraterrestre hein, qui s'appelle Ghost et on va expliquer au jeu vidéo que si notre fusée touche un extraterrestre, eh ben on est touché et on va perdre de la vie. Euh, pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, hein, je, vous, je vous incite vraiment à regarder la première partie de comment créer le jeu space shooter. Pour les autres, si vous n'avez pas envie, euh, bah c'est pas grave puisque ça va vous apprendre à mettre de la vie dans l'ensemble de vos jeux vidéo. Du coup, on va revenir ici et puis on va rajouter un contrôle. Si, si alors, qu'on va mettre juste en dessous de cette partie du code là hein, de, de quand on va commencer comme un clone pour l'extraterrestre et on va venir lui dire que si on touche la fusée donc qui s'appelle Rocket Ship, alors eh ben on va jouer un son donc on va aller chercher un nouveau son euh, donc vous faites ici choisir un son et on va prendre le son euh, tout simple hein, on va prendre le son euh, alerte voilà comme quoi il se passe qu'il y aura quelque chose d'anormal sur notre vaisseau spatial, sur notre fusée. Et donc du coup on va lui dire de jouer le son, hop, qui s'appelle alerte, tout simplement, et aussi de euh, supprimer le clone puisqu'on aura eu une collision. Et donc l'extraterrestre pourra euh, justement disparaître. Du coup, hop, supprimer le clone. Alors faites bien attention à supprimer le clone. Il faut bien le mettre en dessous de jouer le son. Et puis ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va envoyer un message à l'ensemble de nos sprites qui va nous dire qu'on a été touché. Donc là, vous pouvez le mettre entre jouer le son et supprimer le clone. Et on va faire nouveau message et on va écrire touché. Voilà, comme ça, les autres personnages sauront euh, qu'il y a eu une collision avec les extraterrestres. On va du coup aller maintenant sur le code de la fusée euh, rocket ship. Et euh, ce qu'on va faire, c'est euh, qu'on va lui faire un petit effet quand on sera touché. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que quand on a euh, reçu le message touché, on va venir euh, faire un contrôle, on va venir répéter, allez, quatre fois, ça c'est vous qui voyez. En fait, on va le faire disparaître, clignoter un petit peu. Et donc, pour ça, on va prendre Apparence, on va lui dire de se cacher, puis. De se montrer, et entre les deux, eh ben, il faut tout simplement qu'on attende un petit peu. Alors, pas besoin d'attendre très longtemps, hein. on va faire euh, 0 euh, secondes. Donc, il faut bien le mettre entre cacher et montrer. Hop, et donc voilà l'effet que ça va faire. Vous avez vu, la fusée euh, clignote. Bon, je vous remontre. Voilà, donc ça, ça fait un petit effet sympa. Comme ça, quand l'extraterrestre nous touchera, et eh bien nous, on clignotera. On passe maintenant euh, bah justement à notre nouveau sprite qui va être la vie. Donc là vous faites choisir un sprite et puis euh, bah on va aller choisir euh, le cœur. Donc le cœur en anglais c'est heart. Donc ça commence par un H. Voilà. Et ce qu'on va faire, vous allez tout de suite dans les costumes. Donc là on a un deuxième costume qui ne sert à rien. Vous pouvez le supprimer. Et euh, là on va dézoomer un petit peu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le copier. Donc vous faites CTRL et vous appuyez sur la touche C en même temps. Et ensuite vous faites CTRL et V. Hop, comme ça ça va faire un copier-coller. Du coup, on le met ici. Et puis on refait la même chose. On en recolle un juste à gauche. Comme ça, on a quelque chose de euh, très propre. Donc là, vous voyez, la taille, elle est un petit peu élevée. Donc ici, on va mettre la taille 25. Voilà, c'est parfait. On va venir les positionner bah, ici en haut à gauche. Mais vous pouvez les mettre. Ou euh, vous voulez, euh, c'est vous qui voyez dans le jeu euh, le meilleur endroit que, qui vous semble bien. Et puis on va venir maintenant du coup le euh, dupliquer euh, plusieurs fois. Vous allez le dupliquer trois fois. Sur le premier code, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en supprimer deux. On va garder celui de gauche. Sur le deuxième, on va supprimer celui de droite. Comme ça, quand on aura trois vies, et ben on aura trois cœurs, deux vies, deux cœurs, une vie, un seul cœur. Et maintenant on va venir paramétrer le code. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle euh, variable qu'on va appeler euh, vie, tout simplement. Hein. On fait OK. Et euh, ce qu'on va faire, c'est l'événement. Quand le drapeau euh, vert est cliqué, déjà on va dire qu'on commence le jeu avec trois vies. Donc on va faire mettre ma variable euh, vie hop, à 3. Hop, comme ça, vous voyez, on commence le jeu avec 3 vies. Et ensuite, on va venir lui dire qu'on commence le jeu hop, sur le euh, costume donc de 3 vies. Donc, le costume de 3 vies, c'est celui qui s'appelle euh, Red 3. Donc, on revient ici et on va lui dire de commencer la partie sur ce costume-là. Donc, je vais décaler ici pour qu'on voit la différence. Donc, hop, on commence et on a bien nos 3 cœurs. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va prendre l'événement. Et euh, quand on va recevoir toucher. C'est là où on va pouvoir enlever une vie. Donc du coup, eh ben, on va lui dire euh, variable. Donc on est touché. On va pouvoir lui dire d'enlever une vie. Donc on va faire ajouter moins 1, pas moins 4, hein, mais bien moins 1 à euh, la variable vie. Et on va lui dire de euh, basculer sur le costume euh, du, no du, du nombre de vies qui nous reste. Donc c'est très simple. On va faire basculer le costume sur vie. Donc s'il me reste deux vies, je vais basculer sur le costume 2. S'il me reste une vie, je vais basculer sur le costume 1, qui est un cœur. Donc si on teste un petit peu euh, ce qui se passe, on va voir, là je vais me faire toucher euh, par un fantôme. Donc hop, je me suis fait toucher, il reste 2 vies. Et voilà, et mon costume a euh, bien changé également. Si on va, on va aller jusqu'au bout. Donc là, je suis à euh, 0. Et donc à 0, normalement, le jeu doit s'arrêter. Donc on va faire un petit euh, contrôle. Et on va lui dire que. Donc on va le glisser. Hop, on va faire comme ça. On va le glisser entre moins 1 vie et euh, basculer sur le costume vie. On va lui dire. On va prendre un opérateur. Que, hop, si ma variable vie. Donc vous prenez vie. est égale à 0. Et eh bien ça veut dire que je n'ai plus de vie pour jouer, et donc on va pouvoir prendre le contrôle et dire que je stop tout. Et donc ça voudra dire que le jeu est terminé. Pour faire propre, vous retournez sur variable, vous décochez là la petite variable vie, hop, comme ça ça vient de disparaître. Et donc du coup, bah, la variable qui n'est pas belle hein, est remplacée par les costumes des trois coeurs, ce qui rendra vos jeux vidéo beaucoup plus euh, jolis. Et voilà, grâce à cette vidéo, eh ben, tu viens d'améliorer ton jeu Space Shooter et tu es capable de mettre de la vie euh, avec un dessin cœur qui est quand même beaucoup plus sympa que les variables que Scratch nous propose. Euh, bah, J'espère que ça t'a fait plaisir. Si tu as aimé cette vidéo, euh, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, un like sur, en dessous de la vidéo et de partager auprès de tes euh, camarades. Allez, n'oublie pas aussi de me dire ce que tu veux améliorer dans le jeu pour la prochaine fois. Allez, salut tout le monde